du président de la République, le président de la transition, à chacune de vos phrases, disputées au Dikingema. À chacune de mes phrases, bon, nous n'avons pas repris le propos ancien. L'idée, c'est quand même de rappeler que le général de brigade Brice Rotter Odinguema est le président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Ce comité qui a, avec le grand courage dont on reconnaît aux membres de ce comité, c'est-à-dire avec la détermination avec laquelle ils ont fait ce qui est juste pour notre pays, mérite que l'on rappelle systématiquement leur engagement au service du développement de notre pays. Je suis ici à midi pour remettre au conseil départemental de Locano un équipement que le général de brigade Brice Rotter Odinguema a décidé de transférer au conseil départemental pour améliorer les conditions de travail ici. Il faut donc le dire, j'en ai profité pour rappeler que nous sommes effectivement en transition, mais d'ores et déjà nous réfléchissons à la poursuite de la transition. Et je souhaite que tous ceux qui voient ce pays renaître, redevenir ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être, tous ceux qui pensent comme cela et qui pensent donc comme moi, se mettent comme un seul homme, comme moi-même, devenir des soldats de la transition et donc qu'ils suivent les indications, les orientations, les demandes qui sont faites par ce comité pour la transition et notamment pour les échéances à venir qui sont que nous aurons bientôt un référendum qui sera la conséquence du dialogue national inclusif qu'il y a eu dans notre pays. Eh bien, sans même connaître le contenu de la question, je souhaite que les populations acceptent comme un seul homme de dire oui à ce référendum parce que nous avons pleinement et totalement confiance dans celui qui posera la question. Alors, monsieur le ministre.